Oula, qu'est-ce que tu nous as fait? La petite référence au Captain Flood. Oui, bon, c'est bon, à un moment donné, on a compris, il y a une référence à Pink Floyd. C'est bon, on va pas se la taper tous les jours quand même. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est. Râleur? Bah, c'est un peu ce que les gens aiment chez moi, par exemple. Ah, le super rageux de l'espace. Ah non, non, là encore, ça va, je suis sympa. Je te rappelle la dernière fois que j'ai pété un câble. C'était quand on sautait, là, tu sais, avec le fait que j'étais coincé à un moment donné dans une espèce de petit lac de lave. Là, tu avais juste... Et encore, j'étais au niveau 1 de la rage, tu... Il y a des jours où je suis beaucoup plus énervé. T'inquiète pas, le véhicule va tenir. C'est pas le véhicule qui m'inquiète. Enfin, c'est la quête. Par où qu'on va? Allez, te trompe pas de direction, hein. Non. Ne fais pas ta magicienne. Oh, regarde, c'est par voie rocheuse. A priori, c'est grève et par endroit. Pour les petits. C'est sûr qu'à deux, c'est un peu plus facile quand même d'éliminer ces trucs. Allez, on va revenir là où on était l'autre jour. Oh, génial! Oh, c'est pas grave, c'est une zone que tu adores, tu vas voir. Allez, c'est parti. Munitions aussi, un petit peu. Pour l'instant, ça va. Munitions, je m'en suis refait un tas tout à l'heure, donc... La 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 la. Mais c'est vrai qu'il y a du monde là-bas, j'avais un peu oublié ça. Ah oui, mais ça va être très drôle. Comme toujours. En fait, qu'est-ce que tu penses du Watchdog Légion, là, qui est sorti? Après, je suis pas super fan de la licence Watchdog. Je trouve que c'est quand même un bon parti pris, l'idée de vouloir donner la possibilité, en fait, d'incarner n'importe qui à la volée. Ça peut être intéressant. Maintenant, j'ai un léger contentieux en ce moment, enfin, depuis quelques temps avec Ubisoft, au niveau de leur mentalité, au niveau de la décision qu'ils ont pris, au niveau de l'idéologie, au niveau de leur jeu. Donc, ça reste un petit peu des choses... moins polémique, c'est pas vraiment des choses à aborder. Et puis ils ont fait une promo de Watch Dogs Légion qui était basée sur quelque chose. Des choses dont j'ai horreur en fait, ce sont les jeux de science-fiction qui veulent se faire passer pour de l'anticipation. Et Watch Dogs, c'est un jeu qui en fait est précisément dans ce piège-là. Moi perso, Watch Dogs Légion, j'aime pas. Parce que, bon, déjà, l'idée de la grand-mère, ok, d'accord, c'est drôle, mais après ça, voilà quoi. Parce que le problème, tu vois, autant le premier c'était bien, tu vois, on suivait l'histoire d'un gars qui avait perdu sa nièce à cause d'un contrat à la con, et qui donc se met à enquêter sur qui c'est qui lui a mis un contrat sur la tête. Tu vois, c'était beaucoup mieux. Je trouvais le côté justement sombre du personnage, qui s'appelle Aiden, si je me souviens bien, Aiden Pierce, était beaucoup mieux. Depuis le 2, maintenant, on est des espèces d'ados anarchistes rebelles. Ça fait partie effectivement du parti pris dont je te parlais au niveau d'Ubisoft. Tu as un message écho là. Alors je bute celui-là. Où c'est que tu disais? Dans la... ici sur la table. Ah d'accord, ok. Eh ben prenons-le. Vas-y, vas-y. Alice One, agent de Dalle pour les nettoyeurs Stop Tash. Ah, si maman me voyait. Enfin, j'ai besoin d'argent. Emily est toujours malade et c'est pas comme si l'univers prodiguait des soins gratuitement. Mais bon... on tombe quand même sur pas mal de ragots à ramasser derrière les gros bonnets de chez Dalle. C'est toujours mieux que de lire un livre.
Et on m'observe. Je le sens. Voilà. Est-ce que j'aurai un stalker? Non, parce que voilà, justement, Borderlands, lui, je déteste le fait qu'ils utilisent la vulgarité, mais au moins, ça marche de temps en temps quand même. Alors qu'avec Watch Dogs, c'est vraiment juste des ados qui se la jouent racaille, mais... Parce que, c'est plus ou moins maintenant de public, Ubisoft. C'est ça le problème, voilà. En fait, cette jeunesse-là, maintenant, c'est quasiment produit, on va dire, qu'on fabrique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer des Scarface en puissance, drogués dès la naissance à l'adage « le monde t'appartient », ce qui est totalement faux d'ailleurs. Et le problème, c'est que ça les amène à avoir une vie basée sur des illusions. C'est désagréable. Bon, je sais que c'est le vieux qui parle. Hein. Ouais, mais de toute façon, on est là justement pour être l'ancienne génération de joueurs qui se mesure face à la nouvelle. Ah bah c'est le monde d'avant face au monde d'après, j'imagine, si on reprend les expressions modernes. Maintenant, c'est comme ça. Après, l'avantage de ces jeux-là, c'est que quand on n'a pas besoin, et ben, tu n'es pas obligé de les consommer. Bah ouais, c'est ça qui est quand même bien. C'est un des gros avantages. Bah ouais. Et surtout, il faut se rappeler que avant nous, nos racailles, bah c'est les racailles, mais avant c'était les punks. Ah, mais ça c'était les punks, après ça dépend de quelle vision des punks tu passes. Oui, voilà, parce que par exemple, moi je trouve que dans Borderlands, on affronte des punks, mais tu vois, des punks qui sont modernes. Pas le punk de la vieille époque avec justement forcément l'espèce de, comment on appelle ça, l'espèce de crête là, avec des pics. Ah, le héros de la... C'est l'espèce d'image cliché qu'on a du punk. Le punk à la crête iroquoise. Voilà, c'est ça, qui forcément est habillé en tout noir. Habite dans les quartiers mal famés. Oh, tu peux trouver ça encore sur YouTube, dans les vidéos des archives de l'INA. Très intéressante d'ailleurs cette chaîne. Tu peux retrouver des choses qui datent d'une époque antérieure, on va dire, à la tienne. Et tu peux avoir pas mal d'informations sur comment c'était avant. De quoi te donner une bonne dose de nostalgie, ou des fois bien te faire rigoler. Bah surtout que ça marche encore aujourd'hui. Je veux dire, dans River City Girls, des punks, on en affronte. Ouais. Et ils sont super bien. C'est pour juste dire que les punks, en soi, sont pas des... Qu'on appelle ça. D'accord. C'est pas de la merde. C'est... quand ils sont bien faits, c'est bien utile. Alors par contre, là, je commence à être en manque de munitions, donc il va falloir que j'utilise le gros machin, parce que j'ai rien d'autre. Attention, je vais faire mal. Tu disais ? Non, rien. D'accord. Alors, où qu'elle est la deuxième foreuse ? Qu'est-ce que j'aime Vladoff ? Qu'est-ce que j'aime Vladoff ? Les munitions ne s'arrêtent jamais. Alors, allez, on va utiliser les derniers chargeurs maintenant. Oula, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? C'est un brutal. Oui, non mais là, ça fait quelque chose, j'ai rien compris. C'est normal, c'est du double brutal. Marcher tranquille et tout d'un coup... Oh, attends, voilà, j'ai compris. Là, a besoin de où est-ce qu'il est? Alors, où es-tu? C'était pas là-haut des fois. Là. Ah, c'est celui-là qu'il me faut. Au revoir. À n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence, parce que ça te consomme quasiment 20 munitions par tir, ce truc. Eh, elle est où cette forêt? Ah là là. Allez. Hop, la foreuse elle est... Non, trop tard. C'était en haut. Oui, ça je le sais bien, c'est juste que je me demandais qu'est-ce que c'était que ce bouton, alors j'ai suivi. Aucun signe de Rooster Booster. Il a dû filer comme un trouillard. Explose cette machine et sors-en la matrice de réassemblage. Heureusement que c'est du solide ça aussi. Bon sang, c'est plus solide que j'aurais cru. La booster. T'as l'air d'une vraie brute. Bingo. Pile ce qu'il nous fallait pour ouvrir cette broyeuse récalcitrante. Attention à la grenade. Ouais. Et là, on va pouvoir se prendre pour un dessin animé de Tex Avery. Si tu veux sauter, c'est ici. Pour me rejoindre. Juste là, tu sautes sur la caisse. D'accord, ok. Eh, mais moi, je suis en fait l'objectif. Prudence, niveau toxique. Je vais récupérer le prochain explosif qui devrait être là. Allez, exactement. Vas-y. Ah là là, voilà. Reste plus qu'à tout faire péter, j'imagine. Oui,
Qu'est-ce qui ne se règle pas en faisant tout péter dans Borderlands? Là, tu vas chercher le détonateur et moi je pose la dynamite. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? On a comme qui dit. Ah, attends, je vais peut-être. Il faut l'avoir au pixel. Voilà, je l'ai. Il reste plus qu'à monter. Bonjour. Joli. Maintenant, éloigne-toi un peu, règle le détonateur et ce sera tout bon. C'est bon, t'es assez loin. Super. Maintenant, fais tout péter. Face au Acme. Allez. C'est des petites quêtes sympas. Ah, faut que je retourne à l'intérieur, je manque d'oxygène. On va pouvoir se remettre à broyer tout un tas de trucs. Et je reviens. Et maintenant on doit la revoir elle. Oui, mais avant ça, il y a des quêtes secondaires qu'on avait vues tout à l'heure. On aimerait bien récupérer. Donc là on va revenir là où on était. C'est vrai qu'on aurait dû toutes les prendre d'un coup. C'est pas grave. Bah ouais, moi je pensais plutôt à ça, mais bon, c'est aussi c'est pas mal de les faire une par une. Aïe. Ça vous permet de rester concentré sur une seule. Mais bon. Après, justement, le truc de toutes les récupérer, c'est qu'on évite les allers-retours. Oui. On aura une cage d'armes ici sur le côté aussi. Avec champ de force, tu sais, comme celle que je t'avais expliqué. Allez les nazes, on se revoit la semaine prochaine. Là, tu vois, on a l'impression d'être dans Borderlands premier du nom. C'est-à-dire, c'est vide, y a personne qui parle. C'est un ennui mortel. Oh, tout de suite. Ah bah écoute, c'est le joueur de Borderlands 1 tout nouvellement arrivé qui le dit. Hein. Oh, arrête, en plus le jeu est devenu plus amusant depuis que t'as trouvé une nouvelle arme. Oui, c'est vrai, mais bon. Après, j'aimerais avoir des trucs à tirer dessus avec. Non, puis t'as eu de la chance aussi, parce que Lily, de par sa statistique de maîtrise, est spécialisée dans les dans les petites mitraillettes. Donc c'est l'arme de Donc ce que tu as trouvé, c'est l'arme de prédilection de la sirène. Bon, on sort le véhicule. Ah. Allez, grimpe. Arrive. Wouhou. Alors, c'est par où les prochaines quêtes? On va remonter, mais comme je n'aime pas sauter les ravins... Voilà. On va plutôt prendre le pont, c'est ça? Voilà. Je suis pas vraiment... Voilà. Bah après, tu sais, hein, chacun son truc. Hein. Moi non plus, j'aime pas faire des sauts de l'ange comme ça, mais il y en a qui aiment. Bah, je le ferai quand j'aurai un petit peu repris un petit peu de bouteille en termes de conduite. Quand j'aurai réappris à bien maîtriser le véhicule, il y aura une mission de course aussi à faire, qui je pense d'ailleurs va être maintenant. On va bien voir. À mon avis, ça va être ça. C'est ça. Alors. Bonjour monsieur. Je pense que c'est ça. J'ai une mission à confier, mais je crois que c'est un peu trop. T'es alors. Tu veux battre mon record, c'est ça? C'est bonne ça. Chance. Ouais, c'était du sarcasme. Alors, si tu sais pas matériel. Munition. Personne n'est meilleur à la course que les Moonstalkers. Je crois que t'as la goutonnée, morveux. C'est ça, ouais. Je suis le meilleur, c'est tout. Trouve-toi un buggy lunaire et prouve-moi que j'ai tort. Alors. Donc. Bon, bah, on a le buggy. Voilà, on va partir par ici. De mémoire, c'est... Oui, c'est ça. Allez, on va essayer, on va voir si je me souviens du parcours. De toute façon, on peut la recommencer après. Allez. Oh, t'as trouvé ce morveux, c'est ça? J'aimerais bien que tu lui donnes une bonne raclée. Et je crois que je suis pas la seule dans ce cas. Va te placer sur la ligne de départ, on va voir ce que tu vaux. Le compte à rebours commence quand t'es sur la ligne de départ. Donne tout ce que t'as dès que les lumières s'allument. Balle-t'en autour du gamin et nargue-le jusqu'à ce qu'il pleure. Bouh, nul! Tu me rattraperas jamais! Dis, si tu réussis à le battre du premier coup, je te filerai encore plus de crédit. On va montrer aux chiards qui c'est qui commande. Ah, c'est intéressant! Intéressant, alors on a intérêt à gagner quoi. On va bien voir. La ligne de départ, c'est pas. Début du compte à rebours! 5! Ah putain, ah oui, c'est vrai, c'est 3 touches. 3, 2, 2 et demi, 2, 1 quart, un go! Et c'est parti! Ok, je vois, il faut passer par les trucs. Ok. Ça, c'est énorme! Allez! Faut prendre des petits raccourcis. J'entends mon sang qui fait la holla dans mes veines tellement je suis fort! Oh non! Je suis peut-être tellement doué que je vais exploser!
Ok, là c'est devenu personnel, il faut combattre ce gamin, je n'arrive pas à le supporter. T'as dégoté un pilote sans jambes? Allez, quoi, donne-lui une bonne leçon à ce mouflet. Eh, au moins c'est indiqué, ça c'est sympa. Oula, oula. Oh, j'imagine même pas si on avait eu Ludwig avec nous. Oh, le bazar que ça aurait été. Non, j'ai si peur, quel suspense. Bah écoute, petit, on y arrive là, hein, donc écoute. 30 secondes. On peut le faire. En plus, j'imagine que c'est une des premières courses, donc la plus facile. C'est bon. Et on prend notre... Et je me sentais pas bien. Et puis j'avais un truc dans l'œil. Et je voyais pas où j'allais. Et puis je me suis laissé distraire. C'est pas juste. Ha! Bien fait pour ta gueule, Napikins. Tu t'es fait battre du premier coup. Chasseur de l'arche, c'est ce petit ange lui-même qui te remettra ta récompense. Papa, il y a un monsieur anormalement séduisant qui vient de battre mon record en trichant. Ah oui. Alors là, il y a son père qui va se ramener. Tu vas voir, ça va être drôle. Chasseur de l'arche, j'ai bien fait ton manège. Regarde bien, gamin, c'est ça. Ah non, c'est vrai. Ah non, là c'est le corrosif. Regarde bien. T'es écrasé comme un sale moucheron. Aïe, Lundstalker père est pas exactement un attention. Gros nounours amateur de Kalinou. Attends. J'aurais dû m'en douter. J'en prendrai un gamin. Tu l'as donc. Vas-y, papa. Punis cette saleté de chasseur de l'arche. C'est fait. C'est pas bon de tricher. Je vais t'arracher les tripes et en faire une frise pour la chambre du petit. Un grand jour pour le capitaine. Comment il fait pour parler s'il est mort? Je sais pas. Ce sont les grands mystères de l'univers. Donc ça, voilà, c'était la bonne blague, juste pour le truc, hein. Voilà, bah oui, le coup du père qui vient protéger son gamin, c'est un grand classique. Ouais, mais là, le gamin, il a perdu, et en plus, il a perdu à la régulière. Bah, ça arrive toujours, ça, hein. Qu'est-ce qui fait le cheval ? Moi, je me dis que... Voilà. Pourquoi pas ? Après, moi, je me souviens du sale gosse qu'il fallait combattre dans la route d'Eldorado quand j'étais petit. Oh là là, même déjà quand j'étais gamin, je supportais pas ce machin. Je n'ai pas d'autre description. Avec son espèce de, comment on appelle ça, son... le truc qui tire des... un lance-pierre, voilà, avec son lance-pierre. À l'époque, je galérais pour savoir qu'il fallait se mettre dans un tonneau pour le battre. Ah. Bah parce que tu sais, c'était l'époque où justement les interactions étaient de la même texture que le reste du décor. L'heure est venue de débarrasser. Donc il fallait que tu trouves le tonneau, quoi. De ses seigneurs de guerre et ses rois et reines minables. L'armée de libération des peuples est la tempête qui menace à l'horizon. Apportez-nous des armes. Des armes. Des armes. Avec des armes, nous ferons résonner le tonnerre. Apporte-les à notre point de livraison à Concordia. Et si tu en apportes assez, tu recevras une récompense. En gros, là, il faut aller acheter, en fait, tout simplement, toutes les armes possibles et imaginables. Hop. Donc, moi, je vais faire un petit peu de stock. Hop. Oh, il y a un machin au moins, j'essaie de lui tirer dessus. Si tu veux. Ça me permet de passer le temps. Ah, les balles vont pas jusqu'à lui, dommage. Dommage, hein. Bah, c'est parce qu'on le voit, il est là, je peux lui tirer dessus et je peux rien lui faire. Ah, et en plus, maintenant, je viens de perdre sa trace. Là, donc... Là, tu vas pouvoir... En fait, c'est ça dont Ludwig avait parlé tout à l'heure, l'autre jour, quand il disait qu'il allait garder en fait ses armes, et il disait « Seuls les vrais savent », c'était en rapport avec cette quête-là. D'accord. En fait, tu vas devoir en fait les approvisionner, donc des armes, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. C'est juste qu'ils leur en font un paquet, donc là, on va avoir de la visite, donc il va falloir s'abuser un peu. Voilà, allez, c'est parti. Où qui sont les méchants? Un petit peu partout, on va dire. Attends, normalement un peu là-haut. Donner des armes ordinaires, 50. Oui, ah oui, quand même. Oui, t'inquiète pas, ça se trie. Ouais, mais moi j'ai pas autant de place. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci infiniment.
Merci infiniment qu'il y en a un qui nous dit en mourant. Hein ? Alors, on va commencer à donner tout ça. Bonjour monsieur. Ah, j'arrive. Donc, donner des armes grâce à ton aide pour équiper nos soldats, ils partiront au combat avec une vigueur renouvelée. Au moins, ce qui est bien, c'est que les quêtes sont partagées. Ça, c'est quand même un bon point. Oui, bah, heureusement d'ailleurs. Ah bah oui, quand même. Là, alors, le collecteur, alors, si vous donnez son contenu aux rebelles, vous ne les verrez plus jamais. Bien sûr que je les veux. Voilà. Bon, alors, est-ce que tu veux qu'on fasse ça maintenant ou est-ce que tu veux qu'on fasse les autres quêtes en... sur le côté? Parce que là, en fait, ça va bah, écoute, là, pour l'instant, nous avons une... On n'a qu'une seule quête secondaire sur le chemin, donc autant faire ça maintenant, comme ça, c'est vite fait. Bah là, ça va nécessiter quelques allers-retours en ville. Hein. Ah, d'accord. Bon, bah alors, on s'occupe d'abord des quêtes secondaires. Parce que sinon, moi, je vais vider mes affaires et on... Et normalement, en achetant tout ce que je peux, en deux ou trois allers-retours, c'est fait. Bah, occupons-nous d'abord de la quête secondaire. Hop. Allez, hop. Et on s'occupera des allers-retours après. Ah, c'est là-haut. Alors, hop. Et il y a du monde. Normal. Voilà pourquoi je n'aide pas les fusils à pompe avec les chats. Parce que... Parce que c'est pas assez précis. Ah, on est d'accord, les fusils à pompe, c'est pas précis. En fait, si, c'est pas... Mais c'est pas assez précis pour rentabiliser sa vitesse de tir. Sa cadence. C'est quand... Ah, c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est dans l'autre sens, l'échelle. Alors, je sais plus si c'est un truc chronométré de ce côté. Ah, non. C'est le fonctionnement pour le laser, voilà. Ah oui, le prototype. On dirait une de ces super armes laser, là. Il faut qu'on l'essaie. Les pillards du coin se déchaînent un peu beaucoup ces derniers temps. On va tester cette arme contre eux. Alors, je vais le... Voyons voir ça. Allez. Là, il va falloir aller s'abuser. J'arrête pas de sauter parce que je suis au-dessus de toi, en fait. Allez. Alors... Oh, il sent le clap-track, c'est quand même mieux, je trouve. Là, après, encore une fois, comme a dit avec Ludwig, si jamais le clap-trap pose problème, il peut reprendre un autre personnage. Si vraiment c'est difficile... Non, mais justement, le côté drôle, c'est justement qu'on galère avec ça. Ah bah là, c'est le but. Ah ouais, carrément. Mais voilà quoi, sur le coup, je fais justement la comparaison. C'est que quand il n'y a pas le clap-track, tout de suite, c'est plus facile. Mais après, c'est moins drôle. Je rigole pas, parce que j'avais trouvé un... Je lui avais trouvé un mode de classe qui diminue, qui réduisait son... le temps de recharge du chasseur de l'arche pour exé. J'ai pas osé lui donner. Les stats. Je me suis dit que ça poserait problème. Alors donc là il va falloir aller taper du Dudus. Alors qu'est-ce qu'on a? Et ensuite là... Ah oui c'est vrai qu'il faut tuer 15 personnes. Ah et c'est un modèle qui se... C'est ton choix. Si on pimentait un peu les choses, histoire de faire passer le message. Enflamme quelques pillards, on va nettoyer un peu l'endroit. N'oublie pas, en fait, il faut pour les ça, faire... t'auras besoin d'être dans un environnement oxygéné. Ouais. Vive la moi. Science. Rentre dedans, ce qui va faire un peu d'oxygène. Allez, venez par là, les enfants. Voilà. N'oublie pas, les lasers, c'est encore mieux quand il y a une atmosphère. Voilà. Messieurs, bonjour. Voilà, j'ai besoin de les... voilà, allez, rentre. Voilà. On est dans un angle mort. Planque-toi. Voilà, tu vas venir. Tant que tu seras dans un... Ah sans... Voilà, c'est fait. Non, ne tire pas. Il n'y a rien de mieux pour enfermer un pillard qu'un laser et un peu d'atmosphère. Sinon, j'oserais pas tirer. Ça, le problème, c'est qu'en fait, il faut vraiment avoir de la chance. Parce que... Ouais, parce que ça brûle pas tout le temps. Tu vois ? Mais en même temps, après, ils arrivent en illimité, non ? Oui, mais... Alors, monsieur, où êtes-vous ? Avec... Voilà. Monsieur, nous sommes là. Veuillez descendre. Monsieur, descendez. Monsieur ? L'administration vous demande de descendre. Tu ne les brûleras pas s'il est pas dans... Si... Voilà. Ouais, mais justement, il veut pas venir. Oh, tiens, c'est le truc qu'on n'a pas pu entendre jusqu'au bout. Bah écoute, je vais le prendre. Vas-y.
Voilà, allez là. Hop. Vas-y, je m'occupe de l'autre en attendant. Ouais, ici Tobias Tettelbaum de la Conception. On a reçu l'ébauche pour les réservoirs d'oxygène. La couleur passe vachement bien, j'adore le contraste, mais... c'est pas ce que j'avais demandé pour le recto. Là, ça dit kit et pas réservoir. Moi, c'est pour vous, hein, mais on dirait que c'est un truc à monter soi-même, quoi. Ouais, faudrait tout refaire. Hé, hey, Denis, c'est comme si tu nettoyais la lune à la débarrasser de ses pillards comme ça. On n'aura jamais le fin mot de cette discussion. Bon, bah, je crois qu'on a tué tout le monde. Donc, il va falloir donc. Non, il va falloir le deuxième camp, là-bas. Oui, justement, c'est ce que je dis. Ici, on a tué tout le monde, donc il faut aller ailleurs. Voilà, en espérant qu'on puisse faire les 5 autres. Enfin, les ouais, les deux autres qui nous manquent. Voilà, les deux qui restent sur les 5 autres essais qui nous restent. Mais. Ah, il y a du monde. Mais c'est vrai que les. Au début, je l'ai dégommé à la main parce que ça faisait de l'XP. C'est comme les Chigurates en fait, elles font énormément de dégâts quand tu les fais à la main. Et elles font énormément d'XP. Attention au brutal qui est à l'étage. On va rentrer dans la zone d'oxygène et on va se cacher. Attention, atmosphère détectée. Et on va les laisser venir dans la bulle. Voilà. Ah ouais. Pas de spray et espérer que ça les brûle. Aïe. Ah là là. Là, ça fait un peu. Faut carrément les coller pour que ça les brûle. Ça. En fait, c'est les chances de brûler qui sont vraiment faibles. Donc là, il faut vraiment. Tu m'étonnes. À lui et à la nuit du. C'est bon. Yes, on a réussi. Caché quand même. Pas bien. Bah, c'est plus qu'à buter ce qui reste. L'idée qu'il y en a un, mais. Là, d'accord. Bien ici. J'ai vraiment horreur voilà. Des pillards. Et cette arme est parfaite contre eux. À part qu'elle les brûle pas. Ça faisait un petit moment que je voulais bricoler un laser. Rapporte-moi ça. Je vais voir si je peux le combiner avec le mien. Tu repartiras peut-être moins bête en plus. Ah bah dans tous les cas on doit retrouver Spring alors. Oui. Une seringue pour se soigner. J'arrive, je me débarrasse des quelques problèmes qui sont sur la route. Vous allez danser les produits. Quel langage madame. Ah là 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 là. Après on va pas tous se les faire, faudrait à un moment donné qu'on avance. C'est simplement qu'ils reviennent. Ouais c'est sympa je sais, mais bon, il y a s'amuser et puis il y a le boulot. En parlant de laser ça. Allez go. C'est bon. Allez. On se tire. Salut les nazes. Pas vu qu'on va passer par Concordia, autant prendre les. Comment on appelle ça? Les armes? Les armes et aussi déposer le truc à Nina. Oui. Vu que c'est sur le chemin. Pareil à tirer. Ah voilà, alors. Bienvenue, rafistolez-toi. Ah, j'en ai récupéré. Je ne sais plus quoi faire de ton argent. Allez. J'attends. Comment je fais pour ranger les personnalisations? À très bientôt. Pour les ranger ou les changer? Les ranger. Parce qu'ils me prennent de la place en fait. Bah clique dessus. Clique dessus. Moi, clique dessus et ça les consomme. Ah. Et bah en même temps, hein. Non, après c'est. Voilà. Alors, la broyeuse.